Ce sont les maraudeurs desquels tu as sauvé les loups? Non. Ils sont là depuis peu. La piste passe par ici et s'enfonce plus encore. Il en viendra d'autres. Ah, quelqu'un a croisé notre ours. Hey! Projectile au-dessus! Elle a une fronde! Attention, mon frère! Atreus, es-tu là? Peut-être qu'Atreus cherchait un abri et a poursuivi sa route en voyant les maraudeurs, avant que l'ours ne débarque. Un sacré carnage, faut bien le dire. Crois-tu que l'ours pourchassait Atreus? Oui. Ou alors l'ours était blessé et Atreus le poursuivait pour l'aider. Tu connais le petit. Atreus, où es-tu? Nous tenons l'ours. Inverse. Ah, il a l'air en colère. Allons, ton compte est bon. Saisis-le! Il semble secouer!
Atreus. 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 Quoi? Doucement, concentre-toi, Kiri. Que s'est-il passé? Tu ne te souviens pas? J'ai enterré Fenrir. Et après, je ne sais plus. J'étais si triste. Puis j'ai ressenti de la colère. Et de la peur. Je me rappelle avoir couru. J'ai vu un ours. Il a chargé et je l'ai attaqué. Mais ça devait être un rêve. Tes émotions, elles t'ont transformé. Je savais pas que je pouvais faire ça. Ce n'est pas toi, tu n'y es pour rien. Elles ont pris le dessus. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Nous ignorons l'étendue de tes pouvoirs. Il serait dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus, il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Et elle les a gardées pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants et le rôle qu'est censé jouer Loki. Atreus. On ne devrait pas savoir ce que je vais devenir. Atreus, écoute. Écoute-moi. J'aurais pu te tuer. Tant que tu n'as pas le contrôle, nous ne prendrons aucun risque inutile. L'inaction est aussi un risque. C'est toi qui me l'as appris. Arrête de penser comme un père et pense plutôt comme un général. Non! Non. Ressaisis-toi. Alors, va-t-on parler de ton fils qui se change en ours? Oui, dis-nous. Pas maintenant. Nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Qu'est-il arrivé au symbole de protection? C'est toi. Alors c'est ma faute? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Atreus. Non, mais c'est ce que dit ta voix. Signal, père. Maintenant! Nista! Maraudeur! Flambeau! Dans les vapes! C'est bon! Attention, flamme! Alors, petit, hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées des créatures, as-tu développé d'autres pouvoirs magiques? Pas vraiment. Et pour Fenrir? Quoi, Fenrir? Quand il est mort, tu as jeté un sort. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Je ne vois pas de quoi tu parles.
Un coup de Fimbulwetter, peut-être. Je connais ça. Oh, ça y est, je sais où nous sommes. D'où vient ce sang ? De toi, Atreus. Sérieusement ? De toi ou de la proie que tu traînais, je suppose. Je ne sais pas si je trouve ça rassurant. Approche. Il fait assez froid comme ça. La maison est proche. Un autre maraudeur ! Sur la gauche ! Au-dessus ! Attention ! C'était comme ça toute la nuit. Il devait être à l'intérieur quand j'ai refait le symbole. Hé, hey, Svana, n'aie pas peur. Tu es courageuse. Là, c'est bien. C'est ça. Il sait y faire. Et ce n'est pas étonnant. Atreus ! Je voulais juste voir... Oli ! Oui, père. Cette soirée était un peu trop agitée à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps, naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non, je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais ? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. Thank you.
Quoi ? Ton arc ! Je peux entrer ? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Dire avant que je serve. Que fais-tu là ? Moi, je suis venu par courtoisie. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable. Quand la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Ouais. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon, ce que tu as fait à ces fils... légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis ? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus.
La paix, ça te tente? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti, si on ne s'entretuait pas pour changer? Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Oui. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. J'ai compris? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole? As-tu jamais tenu une seule promesse? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où ce qu'il en reste? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment! C'est quoi ces inepties? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez? Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya, et comme cela, ta progéniture est protégée. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors, qu'en penses-tu? Non. Ne traîne pas trop. Montre-moi ce sieur de dieu dont on m'attend parler. Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Tu m'insultes en te retenant de la sorte. Comment as-tu pu devenir dieu de la guerre? Tu ne sers à rien! Tu bafoues la mémoire de mes fils! Je n'arrive pas à croire que tu les aies vaincus! Tu ne sais pas te battre sans ta hache! L'histoire du fantôme de Sparte. Alors tu sais ce dont je suis capable. Montre-moi. Enfin, mon action.
désolé pour ta statue, Tyr. Vieux moralisateur. Rien de tel que d'attaquer son adversaire dans le dos. Pas vrai ? Défie son portail le premier coup ! Viens ! Cesse de te retenir ! Ça ne marche pas comme ça. Tu es un destructeur comme moi. Non. Je décide quand c'est fini. Je ne partirai pas avant d'avoir vu qui tu es vraiment. Debout! Pour lui.
Le voilà. Voilà le dieu de la guerre. Tu viens de payer ta dette de sang. On se reverra. Je t'avais dit qu'il s'en sortirait. Kratos, c'est Sindri et Brock. Tu parles d'un combat? Peut-on... Chez moi, vite! Odin est avec Atreus. Oh non. Je prépare vite un accès mystique. Allez, viens. C'est pas très loin. Et content de voir que tu fais des amis. Qu'est-ce que tu penses de Mjolnir? Tu sais qu'on a fait ce marteau, non? Tu l'as mentionné. Oui, je sais. Mais j'étais pas sûr que t'avais écouté. En tout cas, la hache lui a tenu tête. Et c'était le but, en fin de compte. C'est prêt. Il te mènera chez toi. Encore une chose, Gragalé. Si les As t'ont rendu visite, c'est que ton symbole de protection doit être foutu. Une fois que t'auras chassé Odin, il y a un endroit où tu peux aller te vider la tête. Et je parle pas de celle qui papote tout le temps. Je n'abandonnerai pas ma maison. Ah ouais? Et qu'est-ce qui empêchera le vieux corbeau de venir t'épier? Ou de réduire ta maison en miettes pendant que tu roupilles? Que dalle, je te le dis! Va chercher ton fiston. Moi, je m'occupe de convaincre une certaine personne de vous héberger au besoin. Mon frère! J'allais partir à ta recherche. Tu es blessé. Et toi? Que voulait-il? Il voulait payer pour le toit. Et... il m'a invité à Asgard. Vraiment? Je n'entendais plus rien quand tu es sorti. Je lui ai dit non. Évidemment. Bien. Pourquoi voulais-tu voir Tyr? Si je t'avais dit que je voulais le trouver, tu m'aurais pas laissé faire. Tu m'as menti délibérément. À moi. J'aurais aimé te le dire. Tu dois me croire, mais... maintenant que t'es au courant, il faut que tu vois quelque chose. Non. Fais-moi confiance, il faut que tu... Silence! Je ne peux plus te faire confiance. Mets-moi à l'épreuve dans ce cas. Laisse-moi te montrer ce que j'ai trouvé. Et en plus, nous ne sommes pas débarrassés d'Odin. Ni de Thor. Et à l'évidence, ils peuvent arriver à tout moment pour détruire notre maison. Nous n'avons qu'un moyen d'en finir avec eux. Et je crois savoir lequel. Père. Montre-moi. Prends tes affaires.
Es-tu prêt? Va. Et tu peux garder la monnaie.